Voilà, merci, merci mesdames et messieurs. Merci à nos journalistes qui ont bien voulu faire le déplacement de ce matin pour partager avec nous quelques réflexions. Et je sais que l'heure est grave. Je sais que nous traversons un moment assez particulier de notre histoire et qu'il nous faille faire preuve à la fois de notre capacité à réfléchir, à rechercher des éléments de solution pour la crise que nous traversons. C'est pourquoi je commencerai par dire que notre intervention est destinée surtout à apporter un soutien à l'ensemble des interventions qui ont été faites sur la crise, qui ont été faites sur les sanctions de la CEDEAO. Je ne voudrais pas que mes propos soient analysés en termes de contradiction à tous les autres qu'on tient. J'apporte tout simplement ma petite contribution, elle est à mettre à côté des autres, à croiser avec celle des autres pour en tirer le meilleur et la quintessence des outils que nous devrions rechercher pour apporter des solutions à notre crise. Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de débats internes au Mali. Et ces débats se situent sur notre transition, sur la façon dont cette transition est conduite, est menée. Et c'est autant de débats utiles. C'est des débats qu'il faudrait continuer à mener. Et il serait vain de vouloir chercher l'unanimité quant aux opinions que nous exprimons par rapport à la conduite des affaires publiques. Cela est vain. Donc, lorsque on dit tantôt des propos qui ne sont pas pour les politiques qu'on mène, on n'est pas forcément contre la transition. Il faudrait bien qu'on le sache. Quand on tient des propos, évidemment, qui sont pour la transition, beaucoup de gens applaudissent et c'est normal aussi. Mais à l'interne, il ne sera pas possible qu'on soit tous d'accord pour dire la même chose toujours sur la manière dont la transition est menée. Donc mes propos ne sont pas là pour soutenir qui que ce soit. Non. Mes propos s'adressent au Mali. Parce que le 14 dernier, lorsqu'on est sorti, et c'est là mon opinion, l'unanimité qu'il y a eu était plutôt face à la communauté internationale qui s'est évertuée à sanctionner sans distinction tout notre pays et toutes les citoyennes et les citoyens du Mali. Les sanctions infligées ne discernait pas selon qu'on supporte ou qu'on ne supporte pas la transition. Non, loin de là. Toutes les sanctions qui ont été prises contre le Mali ont été prises contre chacune et chacun des Maliens, individuellement et collectivement. Donc il était normal que le 14, on soit unis dans l'unanimité, qu'on parle à la communauté internationale. Cela est clair pour moi. Cela dit, nous devrions comprendre un peu d'éléments d'histoire. C'est très important. Avant la CEDEAO, notre espace a connu la CEAO. CEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest.
Et c'est là où nous devrions faire une analyse pertinente des concepts. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a été conçue en son temps autour des États, c'est-à-dire l'État signifie la politique. Donc c'était une communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ce n'était pas étonnant que cette communauté n'ait réuni à l'époque que les seuls pays francophones de l'Ouest africain, sous peut-être la houlette des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, et peut-être quelque part, caché derrière les rideaux, la France et sa recherche d'influence dans son précaré. La CEAO, je pense, n'était que cette communauté-là, une communauté des États, une communauté des politiques que ces États devraient mener, et avec caché derrière le rideau une certaine France toujours à la recherche de son influence dans son précaré. En ce moment-là, c'est des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, voisins de pays francophones comme le Bénin, comme le Togo, qui ont eu à dire à ces pays, mais comment on est tous dans l'Ouest africain, vous allez faire une communauté basée sur votre histoire coloniale seulement, au lieu de rechercher une communauté de l'Ouest africain dans l'intérêt de nos peuples. Et c'est en ce moment que des rencontres ont eu lieu à Bamako et qu'une invitation a été lancée pour créer la CEDEAO, différente de la CEAO. La CEDEAO, pourquoi ? C'est la communauté économique. Donc, elle n'était pas une communauté politique, elle était une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir que le caractère économique de cette communauté a son importance dans la crise actuelle. Elle nous permet de comprendre le développement de la crise actuelle et de mener des réflexions sur cette crise-là. La communauté économique a été créée et le premier traité que cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a dû accepter, c'est un traité de libre circulation des personnes et des biens. Libre circulation des personnes et des biens. C'est-à-dire que ce principe qui est le premier principe de la CEDEAO est celui qui a permis l'existence de la CEDEAO jusqu'ici, et sans qu'on l'ait décrété, c'est parce que ce succès de la libre circulation des personnes et des biens a été grand que la CEAO a disparu. Elle n'existe même plus. On n'a jamais dit quelque part que la CEAO n'existe plus, mais elle n'a plus de raison d'être. Pourquoi ? Parce que on a recherché à travers la communauté économique et non la préférence politique de la CEAO, on a recherché dans l'aspect économique de la communauté le bien-être des peuples de la sous-région ouest africaine. En disant, pour que nous nous développions, ce n'est pas la politique qui va nous développer. Ce qui va nous développer, c'est tout simplement qu'on cherche les outils de l'intégration économique. Et ces outils, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Libre circulation des personnes et des biens. Si on dit la chose comme ça, on prend un raccourci. Ça veut dire que les frontières ne doivent pas servir à étouffer les peuples. On ne doit pas utiliser les frontières pour empêcher le développement économique des peuples, pour empêcher que les peuples puissent s'évanouir dans l'espace de leur territoire, parce que ce territoire ne sera plus un territoire fermé. Qu'est-ce que cela veut dire en droit ? En droit, vous créez une communauté et vous dites que la première règle de cette communauté, c'est la liberté de circuler des personnes, des biens, des marchandises, et que les États n'ont plus le droit d'empêcher quelqu'un de profiter de l'espace ouest africain qui est devenu un espace économique commun.
C'est le même principe qui a prévalu. C'est le même principe qui a prévalu lors de la création de l'Union européenne, qui n'était pas l'Union européenne au départ. De Gaulle et Adenauer, à la fin de la guerre, se sont rencontrés. Ils ont dit, nous allons créer avec quelques pays comme la Belgique, comme la Hollande, comme le Luxembourg, comme l'Italie, je crois l'Espagne, nous allons créer la communauté du charbon et de l'acier, c'est-à-dire l'économie. Seule l'économie va permettre à l'Europe d'exister. Et c'est la même chose que nous avons fait dans la CEDEAO. La CEDEAO a été créée à Bamako, à l'hôtel de l'amitié, c'est notre enfant. Les premiers mots de la CEDEAO, comme les premiers mots d'un enfant, ont été balbutiés à Bamako, à l'hôtel de l'amitié. Personne plus que nous ne peut parler de la CEDEAO. Nous parlerons de la CEDEAO mieux que n'importe qui, même ceux qui viennent nous parler des sanctions ici, c'est faux. Donc nous n'avons rien contre la CEDEAO. Nous n'avons rien contre la CEDEAO. Lorsqu'on parle de la libre circulation des personnes et des biens, encore une fois, je tiens à faire comprendre que cette libre circulation, si on la supprime, la CEDEAO n'existe plus, puisque c'est la base de son traité de création. Si on supprime le principe de la libre circulation des personnes et des biens, il n'y a plus de CEDEAO en droit, puisque c'est cela qui crée la CEDEAO. Ce n'est pas autre chose qui crée la CEDEAO. Ce n'est pas la volonté des pays. Ce n'est pas la volonté des autres. C'est là pour vous confirmer que j'ai raison. Il suffit de vous rapporter à l'article 45 du traité additionnel de la CEDEAO adopté à Dakar le 21 décembre 2001. L'article 45 qui parle des sanctions n'a jamais parlé, jamais de la vie, de la fermeture des frontières aériennes et terrestres. L'article 45 n'a jamais parlé de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ceux qui ont écrit l'article 45. Pour écrire l'article 45, ils se réfèrent au traité lui-même. Puisque c'est le traité dit que la base de la CEDEAO, c'est la liberté de circuler des hommes, la liberté d'échanger les marchandises. Si c'est ça la base, on ne peut pas prendre une sanction qui tue la communauté, c'est-à-dire fermer les frontières. On ne peut pas. Ce n'est pas logique, ce n'est pas juridique, c'est tout simplement antinomique au principe de l'existence même de la CEDEAO. Disons-le clair. Ce n'est pas pour insulter les chefs d'État. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne connaissent pas. Mais s'ils connaissent, ils ont refusé de dire. Je suppose. Je suppose qu'ils ont des bons juristes dans leur pays. Ce sont ces juristes-là qui ont écrit le traité. Et quand tu écris un traité, quand tu écris des sanctions, tu permets qu'on lise tes sanctions pour voir la conformité et l'adéquation de la sanction par rapport aux principes juridique que tu poses, le principe étant celui de la liberté de circuler des personnes et des biens. Donc les sanctions qu'on prenait ne pouvaient pas aller à l'encontre. Alors nous disons tout simplement que si le sommet des chefs d'État, si les administrations de la CEDEAO vont se réunir, qu'ils n'oublient pas de prendre les protocoles et d'aller dans l'article 45 pour l'ouvrir avant de sanctionner. Qu'est-ce qu'il y a dans l'article 45? Dans l'article 45, on dit que les sanctions ne peuvent même pas tomber ensemble. Il y a trois sanctions, il ne faut jamais les appliquer ensemble, on les applique une par une. On ne peut pas appliquer toutes les sanctions ensemble, selon l'article 45, et je vais vous le dire. Les sanctions sont au nombre de trois, j'ai dit. Quelle est la première sanction? La première sanction qu'il y a dans l'article 45, deuxièmement, c'est que la CEDEAO, si elle punit un gouvernement, dit je ne vais plus soutenir les candidatures de ce gouvernement
dans les organisations internationales. Donc, qu'est-ce que la CEDEAO devrait nous dire? Bien, on n'est pas d'accord avec le Mali. Donc, si le Mali a des candidats pour aller à l'ONU ou quelque part, on ne vous soutient plus. Première sanction. Deuxième sanction, on va vous le dire aussi, on ne tiendra pas de réunion de la CEDEAO dans votre pays. Deuxième sanction. Et troisième sanction, c'est pas compliqué, on va suspendre l'État concerné pour ne plus participer aux instances de la CEDEAO, c'est-à-dire l'administration de la CEDEAO. Les postes que vous avez dans l'administration de la CEDEAO, vous les perdez. Voilà les trois sanctions prévues par l'article 45. Et ce sont les seules sanctions prévues. Donc, où est-ce qu'on est allé chercher la fermeture des frontières comme sanction? En tant que juriste, je peux me dire, est-ce que lors de ces sommets, les chefs d'État n'ont pas pris de sanctions de fermeture des frontières au nom de la CEDEAO, mais le sommet a recommandé aux États présents chacun de fermer ses frontières avec l'État suspendu. Parce que c'est le droit individuel de chaque État de fermer sa frontière s'il le veut. Est-ce que c'est cette recommandation que le sommet a eu à faire? Alors si on prend cette hypothèse, nous disons encore une fois que cela n'est pas possible. Parce que justement l'adhésion à la CEDEAO empêche les États de fermer leurs frontières les uns aux autres. Aucun État ne peut fermer sa frontière contre un autre État. Ça, c'est le principe même de l'adhésion à la CEDEAO. L'organisation elle-même ne peut pas le prendre et les États membres ne peuvent le prendre. Et pourtant, ça s'est fait. Et c'est là où je dis que nous devrions aller au-delà de notre mobilisation pour soutenir le Mali. Et moi, je l'ai dit à la place de l'indépendance. Lorsque nous nous battions avec le M5 contre Ibeka, je l'ai dit qu'il fallait qu'on attaque la CEDEAO devant la cour de la CEDEAO, qu'on mène une action judiciaire. Je me souviens, l'imam Diko a dit « Ah, mon frère Bachili est allé trop loin, on ne doit pas arriver jusque-là, Dieu va nous sauver, mais Dieu a laissé les sanctions nous frapper. Hein. » Depuis cette époque, je voyais la chose venir. Depuis cette époque, j'ai dit au Mali, prépare-toi à aller vers l'action judiciaire en Europe. Si l'Europe prend une décision contre un pays, si le pays n'est pas d'accord, il va devant la Cour européenne. Et si la Cour européenne déclare que la sanction ou la mesure contre le pays n'est pas conforme au traité européen, la sanction tombe. L'Europe abandonne. Il faut aller devant la Cour africaine. Vous allez me dire, est-ce que là-bas, si nous partons, on va avoir raison? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez nous dire, est-ce que si on va là-bas, on va avoir raison? Le problème est peut-être que lorsqu'on regarde la sanction de la CEDEAO, la fermeture des frontières, qui n'a rien à voir avec l'article 45, on se dit, est-ce que la CEDEAO ne fonctionne pas comme nos gouvernements? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'état de droit dans nos pays. Nos propres gouvernements ne respectent pas nos lois lorsqu'il s'agit de nous, les citoyens. Et la justice ne fonctionne pas dans nos pays. Et est-ce qu'il est étonnant que les chefs d'État qui dirigent ces pays aillent aussi diriger notre communauté en dehors de la loi? Est-ce que c'est étonnant? Moi, je ne suis pas étonné du tout. Vous allez me dire que je profite de ça pour critiquer ce qui se passe dans nos pays. Oui, il faut critiquer que nos États ont fait une défaillance légendaire, totale et globale quant à la mise en œuvre de l'État de droit. Il n'y a pas de droit dans nos pays. Et c'est parce que l'État de droit n'existe pas que la démocratie connaît des crises qui n'en finissent pas. C'est parce que nous n'avons jamais su respecter
le droit des plus faibles dans nos pays. Nous piétinons les plus faibles. Nous volons sans qu'il y ait aucune conséquence, pourvu qu'on soit riche. Et même si vous volez trop, vous avez le droit d'être candidat à la présidence dans nos pays. Tout cela, nous fermons les yeux là-dessus comme si c'était une fatalité. Je refuse et je refuserai toujours de telles fatalités. Et jusqu'à mon dernier souffle, je les dénoncerai jusque dans mon lit de mort si j'ai la force de le faire. Il faut que nous nous réveillons parce que si nos États ne se réveillent pas, nos communautés ne seront pas meilleures que nos États. Dans nos États, on ne respecte pas la loi et voilà que la communauté que nous nous donnons piétine aussi ses propres règles. Ce n'est pas étonnant. C'est les mêmes chefs d'État qui piétinent les règles dans leur pays, qui sont en train de piétiner les règles de la communauté. Autrement dit, qui a tort? La CEDEAO a tort. Elle n'a pas appliqué les règles qu'elle s'est données dans le protocole du 21 décembre 2001 à Dakar. Elle a violé l'article 45, petit 1, petit 2 et petit 3 de son propre protocole. C'est le seul endroit où il y a une sanction contre les gouvernements. Et aucune de ces sanctions n'a été appliquée au Mali. On va nous sortir du chapeau des chefs d'État comme des magiciens, la fermeture des frontières, qui est contraire au principe même de la CEDEAO. Quel aveuglement juridique, quel aveuglement politique, quelle licence totale dans l'appréciation des faits qui ne peuvent pas échapper au droit. Si on applique le droit, on les applique aux faits. Qu'est-ce qu'on dit en droit? On dit qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni sanction sans la loi. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a même pas de juridiction sans la loi. La loi de la CEDEAO, c'est son protocole. Seules les sanctions qu'il y a dans ce protocole sont applicables. Les autres sortent d'où? Qui leur a donné ces sanctions? Et sur quoi elles sont fondées? Quelle autorité ils ont pour décider des sanctions qui n'existent pas dans nos protocoles? Alors, qui a violé le protocole? Ce n'est pas le Mali. Qui on doit sanctionner? On doit sanctionner tous ces pays qui ont été prendre ces sanctions parce qu'ils ont violé les règles de la CEDEAO. C'est ce qu'il faut aller dire. C'est ce qu'il faut aller dire devant la Cour de justice de la CEDEAO. En droit, lorsque vous violez les droits de quelqu'un, lorsque les droits de notre peuple ont été violés par rapport au traité de la CEDEAO, c'est-à-dire le principe de la libre circulation des personnes et des biens, on doit réparation, la CEDEAO doit réparer les difficultés économiques que nous connaissons ici. L'accroissement du prix de l'huile, l'accroissement du prix du sucre, l'accroissement du prix de tout. C'est la CEDEAO qui est responsable. Le Mali n'a pas violé le traité sur la fermeture des frontières. C'est la CEDEAO. Le Mali n'a pas tort sur ce plan. Il faut aller devant la justice. Même si nous savons que c'est les mêmes chefs d'État qui sont là-bas, qui peuvent refuser les décisions de la justice. Allons-y pour prouver au monde que nous avons des droits. On est en train de nous dire dans les instances, oui, vous êtes illégitime, vous êtes irresponsable. L'illégitimité et autres, chacun est libre de l'apprécier comme il veut. Chacun. Si moi je veux, je peux dire la transition est illégitime. Si je veux, j'accepte qu'elle est légitime. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais lorsqu'on dit qu'on est irresponsable, je dis non. Nous sommes responsables de notre connaissance des règles de la CEDEAO. Nous sommes responsables des actions que nous devons mener lorsque ces règles sont violées et que cette violation porte tort à notre pays. Nous sommes responsables de ça. Nous devrions que on nous écoute. Nous aimerions que un pays ami comme la France écoute un peu ce que nous avons à lui dire. Nous ne sommes pas irresponsables. Nous voudrions que la France soit responsable en ne soutenant pas les décisions violatrices des règles de la CEDEAO contre le Mali. Là, quand la France le fait, je trouve qu'elle manque de responsabilité. La France est pleine de juristes. La France peut lire les textes de la CEDEAO. La France peut savoir
Si vraiment la CEDEAO appliquait ses règles au Mali, elle ne le fait parce que elle ferme les yeux, parce que ses intérêts sont menacés, elle ne voit plus. Là, la régularité de la décision de la CEDEAO, elle s'aligne derrière l'illégalité de cette décision et elle dit que c'est nous qui sommes irresponsables. Mon Dieu, je demande aux autorités françaises d'être un peu plus responsables dans leurs propos, parce que nous avons tous appris le droit sur les mêmes bancs qu'eux. Je demande que ces propos qui manquent de respect à notre pays, que la France comprenne que c'est pourquoi, même si nous ne sommes pas d'accord politiquement avec la manière dont la transition peut être conduite dans notre pays, ça ne donne pas le droit à la France de traiter notre peuple ainsi. Notre peuple est incarné par les hommes qui sont à la tête. Qu'on les aime ou pas, on n'a pas le droit de les traiter comme la France le fait. Et c'est cela que nous défendons. Nous ne défendons pas les politiques internes, mais nous défendons l'honneur de notre pays et le respect de notre pays. Donc les propos qui ont été tenus ont été excessifs. Vous verrez là-dedans que Jean-Yves Le Drian, il faut le nommer, le ministre des Affaires étrangères français, ne s'est pas gêné de traiter les autorités maliennes de tous les noms dans les enceintes des Nations Unies, dans les couloirs de l'Union Européenne, en France, que son ministre de la Défense, Madame Parly, fait de même. Bon Dieu, que la France comprenne un peu que le respect n'est pas dû qu'à elle et à son histoire. L'histoire du Mali est aussi ancienne que celle de la France, mais nous en rougissons moins. Parce que nous n'avons pas été colonisés, nous n'avons pas fait de l'esclavagisme. Lorsqu'on s'adresse à l'Élysée, aux peuples africains, on doit avoir un peu plus de modestie. Parce que le palais de l'Élysée a été construit avec l'argent de la traite des Noirs. C'était la maison des négriers. L'Élysée appartenait à un vendeur d'esclaves noirs. Arrêtez, bon Dieu. N'injuriez pas l'histoire, monsieur, mesdames les Français. Respectez-nous. Je n'ai rien fait et je ne mange pas à votre table pour que vous me manquiez de respect dans mon pays. Si vous me respectez, je vous respecte. Si vous ne me respectez pas, eh bien, attendez-vous à autre chose. On va vous dire que notre gouvernement a demandé, mon Dieu, à l'ambassadeur de France de rentrer. Mais bon Dieu, on a vu la France et Monsieur le Président de la République française dire que sans la France, il n'y aurait pas de nation algérienne. La réaction a été immédiate. Le jour même, l'Algérie a retiré son ambassade de France. Le jour même. Mais combien de talents les hommes français n'ont-ils pas fait pour dire que non, c'est vrai, les propos ont été excessifs. L'Algérie, on ne veut pas lui manquer de respect. C'est à peine s'ils ne sont pas venus pour dire nous nous excusons de ces propos. Alors la France croit-elle que si, dans l'histoire, à un moment, elle a travaillé et dominé, travaillé avec des peuples qu'elle a dominés, que ces peuples, tout le temps, ad aeternam, ad vitam, toute leur vie, ne doit plus compter sur leur respect vis-à-vis de la France. Ils ont été rattrapés, cette bourbe diplomatique du président de la République française, ils ont tout fait pour rattraper. Il n'y a pas encore un mois que l'Algérie a accepté les excuses de la France. Là, c'est la France de s'excuser. Nous ne devrions pas avoir de complaisance à ce niveau. Que la France sache, et ce n'est pas soutenir ce qu'ils appellent la junte. Non, je ne soutiens pas la junte. Mais je soutiens mon pays. Je soutiens l'obligation que la France a de respecter mon pays. Que la France a de me respecter en tant que tout simplement être humain qui a un espace vital qui est son pays. On ne doit pas me manquer de respect. Mes décisions, je les prends souverainement. On peut en parler, mais on ne doit pas m'insulter. Et lorsque on ne parle plus de politique, les traités de Vienne sur la diplomatie n'autorisent pas l'invective comme mode d'expression diplomatique. Lorsque vous traitez un pays d'irrespectueux, d'irresponsable, on n'est plus dans le langage diplomatique, on est dans l'invective et j'allais dire un langage terre à terre. Est-ce que
vraiment un pays comme la France, qui se met du haut de son histoire, doit parler avec des mots comme ça. Mais ça ne nous étonne pas, parce que Macron a convoqué nos chefs d'État à Pau. Ce n'est même pas une invitation, il les a convoqués aux yeux de toute l'Afrique ici. Et c'est cette même tendance qui continue dans le discours politique français. Il faut que la France sache que nous, et les enfants que nous avons mis au monde, on ne les a pas logés à l'adresse des esclaves noirs ou des colonisés. Ils sont nés libres, et libres maliens, ils mourront. On n'est pas leurs esclaves et on n'est pas leurs colonisés aujourd'hui. Qu'ils nous respectent aujourd'hui. L'histoire change, les temps changent. Une fois que j'ai dit ça, je sors de ce dossier de la France, mais sans dire une chose, sans que je ne dise une chose. Je trouve que les chefs d'État africains de la CEDEAO, lorsqu'ils vont se réunir pour dire nous sanctionnons le Mali, que la France se cache derrière leurs sanctions pour infliger elle aussi une sanction au Mali au nom de la CEDEAO, je trouve que j'attendais que les chefs d'État de la CEDEAO se retournent pour dire à la France, on ne vous donne pas le droit de vous baser sur nos sanctions pour sanctionner le Mali. Ce qui est une mesure de courage et de courtoisie et de respect pour eux-mêmes. J'aurais voulu que le sommet des chefs d'État dise à la France, nous avons le droit de sanctionner le Mali à cause de notre traité, mais vous ne devriez pas vous mêler de notre traité et de sa gestion pour sanctionner le Mali. Quand même, où est-ce qu'on va? Pourquoi les gens de la CEDEAO ne peuvent pas avoir de telles initiatives? Pourquoi ne disent-ils pas de telles choses qui nous feront un peu plaisir et qui nous laisseront entre nous, entre Africains, pour qu'on gère nos problèmes? Pourquoi la France, il la laisse se mêler du problème de la CEDEAO comme si elle était tout simplement là à manipuler cette institution? Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai écouté un député français, il y a 3 jours à l'Assemblée nationale française, qui a dit, mais Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous avez, en sanctionnant le Mali, donné l'impression que c'est vous qui avez influencé les décisions de la CEDEAO. C'est un député français qui l'a dit il y a 3 jours à l'Assemblée nationale française. Alors, est-ce que nos chefs d'État ne peuvent pas vraiment écouter? S'ils ne nous écoutent pas, nous, leur peuple, qu'ils écoutent la France au moins, puisqu'elle les manipule. Ils écoutent la France? Ils ne l'ont pas fait. Donc, je voudrais dire que, par rapport à tout ça, il y a le fait qu'il faut analyser nos relations au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, ne vous trompez pas, a été utilisée jusqu'à la crise malienne comme une organisation des chefs d'État libre et franche de tout droit, qui gérait les intérêts des chefs d'État et non des citoyennes et des citoyens et non du peuple de la CEDEAO. Vous vous souvenez bien, pendant la lutte, lorsqu'ils sont venus ici et qu'ils nous ont dit, voilà la ligne rouge que nous avons. Cette ligne rouge n'est pas dans leur texte. Ce jour-là, moi, je leur ai dit que votre ligne rouge est ma ligne blanche. Moi, je passe. C'était sous Ibeka, je l'ai dit. Parce que moi, je voyais la CEDEAO comme un groupe violateur de toutes les règles. Et que ces chefs d'État n'obéissent qu'à leur intérêt. Et je vais vous dire pourquoi cela est vrai. Lorsqu'on regarde le protocole du 21 décembre 2001 signé par les chefs d'État à Dakar, toutes les règles de la bonne démocratie sont là-dedans, c'est sur la bonne gouvernance. On dit qu'il ne faut pas que les gouvernements violent les droits de l'homme dans leur territoire. Eh bien, on a tué des gens ici, à l'époque. On n'a pas sanctionné le gouvernement. On a dit qu'il ne fallait pas changer la durée des mandats de l'année électorale. Ça s'est fait dans un pays voisin à nous, la Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'est pas intervenue. On a tué des gens, violation massive des droits de l'homme. Il n'y a jamais eu de sanctions.
On l'a fait en Guinée. Pas de sanctions contre le président qui était là-bas. Mais toutes ces règles sont écrites. On ne doit pas le faire, mais on l'a fait. Et les fiefs d'État qui ont fait ça, c'est eux qui vont se réunir. Donc ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. Ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. La preuve, la Côte d'Ivoire, a empêché un de ses opposants à être candidat, en l'occurrence Guillaume Soro. Guillaume Soro a attaqué la décision de l'État ivoirien devant la cour de la CEDEAO en fonction de ce protocole du 21 décembre 2001 de Dakar. Les juges de la CEDEAO, qui n'appartiennent à aucun pays, ont ensemble décidé que la Côte d'Ivoire avait tort, que Guillaume Soro devrait être candidat. La Côte d'Ivoire a dit, si c'est le cas, je refuse d'appliquer les décisions de la CEDEAO. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et Guillaume Soro n'a pu être candidat. Et c'est la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. Alors, M. Ouattara qui refuse les décisions de la CEDEAO. Or, il est dit dans le traité que la décision de la Cour s'impose à tous les États. M. Ouattara a refusé. Et c'est M. Ouattara qui est encore juge du cas du Mali, lui qui refuse les décisions de la CEDEAO. M. Ouattara ne devrait pas aller au sommet sur les sanctions contre le Mali ou la Guinée. D'où tire-t-il ce droit? Puisque lui, il nous dit publiquement, je refuse d'appliquer les décisions de la Cour. Or, c'est la CEDEAO qui a dit, la décision de la Cour s'impose à tout le monde. Ouattara refuse. Et il assume son refus. Il va s'asseoir pour sanctionner le Mali. C'est comme si vous dites à un voleur de siéger comme président d'un tribunal. Allez-y savoir qu'est-ce qui va être fait au voleur ce jour-là. Peut-être qu'on va les dédommager. Cela veut dire quoi? On dit en droit que nul ne peut exciper de sa propre turpitude. Cela veut dire, tu ne peux pas faire une faute, t'appuyer sur cette faute pour revendiquer le bénéfice de la faute. Autrement dit, est-ce que celui qui viole les règles d'une organisation peut utiliser les règles de cette même organisation contre un autre? Tu ne peux pas, parce que toi-même tu l'as violé. À la CEDEAO, nous avons beaucoup de chefs d'État qui ont violé des règles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a qui ont modifié leur constitution, qui limitaient leur mandat à deux, qui ont changé, qui sont à quatre mandats, bientôt cinq mandats. De cinq ans, ça va faire 25 ans de pouvoir. Et ils vont siéger pour sanctionner le Mali. Il y en a qui ont dit, je refuse la décision du tribunal de la cour de la CEDEAO, ils vont sanctionner le Mali. Alors, est-ce qu'on peut se servir de sa propre faute contre quelqu'un? Nul ne peut exciper de sa propre turpitude. Nous avons des arguments en béton avec lesquels nous devrions sortir et avec lesquels nous devrions informer le reste de la communauté internationale que s'il y a des torts, c'est le dysfonctionnement de la CEDEAO qui conduit nos pays dans des situations de crise comme ça. Si la CEDEAO avait pris ses responsabilités à l'égard de Alpha Condé, il n'y aurait pas eu de coup d'État en Guinée. Si elle avait pris ses responsabilités à l'égard du Mali, il n'y aurait pas eu de coup d'État ici. Elle ne prend pas ses responsabilités, eh bien, elle n'a pas fini d'aller suspendre les pays jusqu'au jour où tous les pays suspendus constitueront la CEDEAO pour chasser les mauvais chefs d'État. Parce que c'est ça la voie qui est en train de se dessiner. Les sanctions ne dissuadent plus. Parce que notre organisation a cessé d'être crédible. L'administrateur de la CEDEAO, c'est un ancien ministre de M. Alassane Ouattara. Il n'a jamais pensé sanctionner Alassane Ouattara. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais dire en bambara ce que j'ai dit. Allez-y, Donnie. Après, je vais faire ma conférence en Sunike, mais je ne le ferai pas en pull.
Macho, respectez-nous, ce n'est pas un ici. Nous sommes des gens ici, nous sommes des manières. J'ai compris. Donc, Agne Kuma Chamanfo, tu as vu qu'on a mené Agne Tomoto Modé. Nebulo 600. Et avant d'aller en Bambara, j'ai quand même deux petites esquisses en français. Parce que quand on dit tout ça, on va dire quelle solution vous proposez, Maître Bachili. Moi, je crois qu'il y a des solutions. Je viens de dire qu'il faut construire et étoffer un dossier du Mali contre l'administration partisane de la FEDEAO, une administration violatrice par excellence des dispositions de l'article 45 du protocole additionnel du 21 décembre 2001. Ça, ce dossier judiciaire-là doit partir sans tarder. Moi, depuis Ibeka, je suis en train de le dire, je continue de croire qu'il faut donner du grain à moudre à la cour de la FEDEAO. Qu'elle assume ses responsabilités ou qu'elle ne l'assume pas, c'est une chose, mais ce n'est pas le problème du Mali. Le problème du Mali, c'est de la saisir des griefs contre la FEDEAO et la manière dont les choses se sont passées. Mais l'article 45, troisièmement, dit quoi ? Qu'il faut poursuivre le dialogue. Le Mali doit poursuivre le dialogue avec la FEDEAO elle-même. Le Mali doit poursuivre le dialogue avec l'ensemble de ses partenaires sur le plan international. Mais pour aller dialoguer, il faut monter un dossier sérieux sur l'attitude aussi de la communauté internationale vis-à-vis de nous. Quelle est cette attitude? On peut la lire de plusieurs manières. Ce n'est pas par hasard que la France sort subitement sa tête comme un appendice de la FEDEAO. La France n'y est pas conviée, elle n'a pas signé ce traité, et en sortant sa tête de cette manière maladroite, nous sommes comme presque en train de rire, sa tête est devenue le gros nez de Cyrano. Les Français vont comprendre ce que j'ai dit, ça appartient à leur culture, mais c'est marrant. Ok. La France a un souci au Mali. Et il faut que nous le disons. Je vais venir en Bambara, je vais traduire après. Je dis ça pour que nos amis français m'écoutent très bien. Mes propos vont aller à l'international, qu'on le veuille ou pas, et ils vont m'écouter. Le problème de la France est dans la mise en œuvre de l'accord au Sahel. Mais il faut que la France écoute un peu. Nous, peuple africain, nous, peuple du Sahel, quand M. Sarkozy allait détruire la Libye et que la France n'a pas su assurer les services de son intervention après en Libye, la France sait qu'elle a créé l'insécurité dans tout le Sahel. Elle le sait pertinemment. Elle sait que c'est elle qui a été à la base de la diffusion massive des armes de l'arsenal de guerre libyen dans le Sahel. Elle le sait. Elle le sait. La France le sait. Et la France est venue chez nous avec un accord. Et cet accord aussi, la France l'a mal appliqué. On ne le dit pas assez dans la communauté internationale. Elle qui parle de loi, de légalité, de légitimité. C'est l'accord qui légitime l'arrivée de la France au Mali. Et la lettre du Mali lui demandait de nous fournir tout simplement l'appui aérien et les renseignements pour nos troupes, nos propres troupes au sol. Et pourquoi la France est sortie de là? Dès lors qu'elle a mis le pied en dehors de cela, elle est dans l'illégitimité de son intervention. C'est pas moi qui le dis, qu'ils le comprennent et qu'ils ne nous prennent pas, qu'ils prennent pas les enfants du canard pour des canards sauvages aussi. On a appris le français avec eux. Nous n'en maîtrisons peut-être pas toutes les nuances. Mais lorsque vous signez un accord, vous êtes tenu de le respecter. L'accord entre les parties fait loi entre les parties. C'est ce qu'ils nous ont dit là-bas à la Sorbonne. Alors, est-ce que la France est devenue subitement autiste par rapport à l'enseignement qu'elle a donné aux autres? Donc, ils sont allés au-delà, ils ont outrepassé leur mandat. Mais écrivons cela.
Ne disons pas que c'est là. Le Mali parle sans écrire, sans documenter sa position. Et le Mali n'apporte aucun document au soutien de ses propos. Le verbe ne fait pas le droit. Le verbe suit le droit et dit le droit. Tant que ce n'est pas écrit, ce n'est qu'un simple verbe. Donc documentons, sortons de cette culture de la facilité du mot et du verbe. Écrivons, documentons, constituons des documents, déposons-les là où nous devons discuter pour qu'on nous prenne au sérieux. C'est très important. C'est très important. Tout cela, on doit l'écrire. L'opposé à la France, le discours, c'est bon. Les envolées lyriques, c'est bon. Dénoncer la dénonciation est bonne. Mais documentons nos positions. On est dans un monde de l'écriture et nos liens avec la communauté internationale sont fondés sur l'écriture. Écrivons pour documenter nos positions. Ne recherchons pas l'applaudissement à la place de l'indépendance si on n'a pas fait ce travail. Il faut le faire. Je le dis très facilement, on va me critiquer, mais moi j'assume toujours mes positions. Je ne me contenterai pas des applaudissements sans lendemain ou des peuples payés pour aller battre des mains sur la place de l'indépendance. Oui. Je veux qu'on travaille et qu'on écrive, qu'on me montre ce qu'on a fait et que nous soutenons cela plutôt que le verbe. Je suis clair et on va me taper dessus, mais moi j'ai le dos large et j'ai toujours reçu des coups, ça ne me fait rien. Deuxièmement, il y a que la France est en train de rechercher en vain au Mali une issue politique à la crise interne du Mali. Elle ne le dit pas, mais ça en filigrane dans toutes ses démarches. Le même député qui parlait à l'Assemblée, un autre député français a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit, ce député-là? Il a dit, oui, mais le Mali, là, la solution... C'est la création de plusieurs États, même si c'est des États fédérés. Il faut faire des États au nord, des États au sud, des États au centre, des États à l'ouest, et que ces États se lient entre eux, mais l'État unitaire du Mali, non, 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 ça ne peut pas marcher. C'est à l'Assemblée nationale française qu'on a dit ça. Alors moi, j'ai cru me pincer pour comprendre si c'est des Français qui étaient en train de parler. Parce que dans leur propre histoire, ça n'a pas été comme ça. Pas du tout. Lorsqu'on qualifie la France d'État jacobin, le centralisme jacobin, il a commencé quand? En 1789, le 14 juillet, date de l'indépendance. Et depuis cette époque, cette politique de centralisme jacobin est là. On l'a opposée à ce que la France appelle aujourd'hui le fédéralisme, qui était... tenu à l'époque, en son temps, par Danton de Bordeaux, qui a voulu l'indépendance des provinces françaises. Et qu'est-ce qu'on a fait? Robespierre a amené Danton et ses compagnons à la mairie de Paris, la mairie actuelle de Paris. Ils leur ont coupé la tête. Pourquoi vous parlez d'indépendance des provinces françaises? Et depuis qu'ils ont coupé la tête de ceux qui parlaient d'indépendance, ils n'ont plus jamais accepté que dans leur pays, les régions prennent leur indépendance, la France, jusqu'aujourd'hui. Dans les années 70, la Corse a voulu être indépendante. On a vu la répression qu'ils ont faite contre Simeoni et les indépendantistes corses. On les a matés, on les a foutus en prison parce qu'on a dit on ne peut pas parler de séparation sans être accusé de coup d'État et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. On les a condamnés, mais la France nous refuse d'avoir ce regard, parce qu'elle, son intérêt n'est pas là. Mais que la France nous laisse aller même au fédéralisme, moi je ne suis pas contre. Le Canada est fédéraliste, l'Allemagne est fédéraliste. Et voilà que l'Allemagne fédéraliste bat la France jacobine. Voilà que le Canada fédéraliste bat la France jacobine. Voilà que les États-Unis, encore, battent la France. Il y a peut-être plusieurs États. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'on laisse les peuples décider la forme de leur fédéralisme. Que la France ne nous impose pas son regard du fédéralisme. Même le découpage. Que la France cesse de se mêler de notre politique interne. Cela va de soi. Qu'il nous respecte, qu'on lie des liens, tout simplement, de pays à pays, de peuple à peuple, de politique à politique, mais sans donner ce droit d'immixtion
qu'il croit avoir acquis naturellement, le Mali sort de leur escarpelle, de leurs droits naturels sur l'Afrique. On n'appartient pas, on n'est pas un élément de leur jus natura. Okawa. Pour nous avancer davantage, la solution aujourd'hui au Mali, on doit mettre en branle, et c'est dans les traités. Nous avons un médiateur. Notre médiateur de la République appartient à l'Organisation africaine des médiateurs et ombudsman, qui comprend des pays comme l'Afrique du Sud, qui comprend tout le monde. Qu'on élargisse le débat actuel de la CEDEAO à toute l'Afrique à travers cette organisation qui est observatrice de l'Union africaine et qu'on permette à d'autres gens de dire à nos chefs d'État de la CEDEAO, vous n'avez pas appliqué vos propres règles. Et l'instance de médiation africaine, les médiateurs africains, les ombudsman africains pourraient être saisis par le médiateur du Mali. Et le gouvernement doit demander au médiateur du Mali de se lever pour élargir le champ du débat de la CEDEAO au-delà des seuls chefs d'État de la CEDEAO et au-delà des seules personnes qui décident en Afrique de la CEDEAO. Il y a d'autres qui décident d'autres instances et nous devrons faire appel à tout cela pour montrer notre capacité d'utiliser à notre profit tous les mécanismes qui existent, tous les outils qui existent pour tout simplement qu'on comprenne le droit des peuples de la CEDEAO à disposer d'eux-mêmes sans que les chefs d'État nous empoisonnent avec leur violation de la loi. Merci. Merci. Je sors et je vais parler à Bamba. Merci. Aywa amba laje ka kuma bamanan kama anga jamana de unga anga bi kuma fam boliba do kere ya le 14 janvier kalo kletan nani akera mali robela ay mali on suro yoro yoro bien qu'on ait oubora, kaira ko Mali et jamana kelenye, ni bora kofe de kibinyashi Mali la, hal ni nyokon fra de banche anga jamana kono, iba suro odo ambe yantike di nyokon. Ite se kele maka, kele nto. Boli mkun kero ye, ma chama mbulo, ama keka mbora ka do deme o kafanga kama. Ama keka mbora ka do deme a toko kama. Ama ke kambora ka do deme akunklena kama. Ambora ka antike di nyoko ma mate sianga jamana ma. Hali kele o kelebe ambu ubla odo ambebo. Ka ira kofe mgo ula ko marie jamana kele nyo. Ambora ni o haklina ye. Alisa ani kofe mgo ka kuma manana o haklina ka toana. Amboli ta bali ani nyoko nche. Nansikira ani nyoko nche kanga nyoko nye la jeka tinyefo nyoko nye. Ni munte ben angafo tiekan ni munbe ben angafo tiekan munye malik segen kata modibo klela ka se bila politique fon fin fo ko ka marabla o sirakono ulu bekera malila o ni parti do kera ni election do o kera ni president figu do kera ni député tomodo kera ni mertado o bekera o de politiki sirayi ka se ka jamana mara abe fo ma démocratie nga anyanteria ka fo démocratie et état de droit. État de droit ko seria jamana o yoro de ngalon banko o de gelea banko o de toro banko kabiri modbo ke ta fo kabla ambe domina ikobi anga jamana ma ke seria jamana ikle kle ni mumbe fangala o sago beke o do ni be fangala ika kuma beke tnyeye ni ye tnye foni te fangala ika kuma beke ngalonya ibenini anga jamana bode kono an sirana tnyanye ambana tnyema an sirana tnyanye ka ba tnyema seria be tnye de kofo seria bora jamana kono doni doni seria te tukun yere sago ke de bi ni ne batili ofo to ba fo be plenty kenka ou qui sait qu'il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps pour l'ambassade ici. Quel était ?
Nama segi saria kono hali san keme dongo do coup d'état ou ni manka ou mbeule anche. Parce que mogo bika hake de nini ka dnyela tike kono. Ika hake jomba koloshi ni sariate. Ni sariate seka mauka hake koloshi. Otma jurumu mechade. Dusukasi mechade. Dusukasi laba menani mouyabe nani muruti ni banyi. Ode do. Il est temps qu'il y ait un gros fond. Donc, état de droit t'en faire. Donc, Nambora, Kafo, Ambe, Mao, Ambe, gouvernement, Ambe, Maliko. Gouvernement, il n'a tout le monde. Où tu n'es en hakli, si il s'y a cola. Où tu n'es là, dossier, pas ou non fait. A comment vous soumettez à Koudou. Transition, il n'y a pas de katani, s'y a boloï. État de droit ka nyanyini maliko atumbe foko juju saraka dogo afora wari chama faralu saraka président ko kuke yakli to état de droit la koni état de droit te ka te marché le mais alpha président ga continuer ka fo puisque on mumbe bara la ko avocat nya bala de fo ite ka marché il vaut mieux ka nga tiya fo sinini tara tribunal la juju chama te fo c'est pas grave o te bashi. Maintenant, il faut que nous ayons marché. Nous avons marché. Nous avons marché. Donc, en bas, il faut que nous critiquions ce qui dit qu'il marché en grand sacro. Tant que l'état de droit est massif, il faut. Et CDAO est Mali. CDAO est Mali. Quand il y a une frontière ou date, il y a un bras. Avion te bo au bras kan ambra ou be sirat ke anga marchandise ou la ou ka marchandise te na antate tout bra halou do na anga war ko la ka anga war ou sira ou la cho ou ye francika de meso ou konona la ka se ka famu ya sro sidea ou la fo malien ka kro fo ibe sidea ou fo malien ba keme a tro koni ou ba don me munde do a re sigira chugo di a sigira mun kama Mounia saria ye ni o deba ke akakuma kambe batu ubi ake batu. Sire oni asigira ton folo mounola. Oto ima chiu me anafa bana ablara yerema asigira. Oye CEAO, CEAO, CEAO. Ode anga klebi fe, anga frafina klebi fe. O jamana kulu katon. To ima nyeshi kunklena la de. A nyeshi la jamana u katonya la dron. Jamana dron yudura kono. To abu ye frafina klebi yanfan jamana mumu mara. Ulu dron de yo ton sigi. O sigi le. Kan wera ube fo frafina klebi yanfan fe. Faraje kauna. To abu kambi. Angle kambi. Portuge kambi. Ni baby o jamana toko a frafina klebi enfant fait sigi ani auto abu jamana kan on auto abu kan fola jamana on gune me nyokona na we je kuludla otma oba on simbo je kulula o te frafina klebi enfant de o konin to kera to abu ka marakoro ka jamana wi Ghana president Nigeria president ulu wilila we to Manyogonya, Bamakoya, Unana Koka, CDAO créé. CEAO, on est tout, mais CEAO. Obana, Akera CDAO. Et Ninkora et Mouye, Nafa. Angana ke Jamana ou ka tonyede. Anga ke anga Jamana de Unga Nafa Roy, Nafa Siranini Roy, communauté économique. Anga je Sorola. Nafala, anga jesigu ode nyini ninka, anga jamana deun nye, au ta ya politik la mae, CEAO, anga jamana deun, halini politiku te kele nye, uka yiri wali koni norole menyogona, uka soro unyogole menyogona, donc anga sira labla, uka seka soroke, okonona nafike nyogonya kono, anga sira labla, uka se, uire dama uka tama ka soro nyini, uka soro uka se nyogoma uka wulika, Siratama ouke, kase ka soroso. Donc, ton yi, a manasiki politika le, a sigira,
koka jamana u soro nyogona u kana se ka fara nyogona a jamana de umbeka wuli kuka soro nyini chuko kelena jamana imbeko nonana jamana frontiere kana ke balikuye uma u yere ka tama kono frontiere u kanu sege nu be wuli kata visa ko ni feu u ka nu ka jamana carte d'identité ta dro ikata na ilume ikata na yabisha foi kana yala hali visa kana nyinala. Donc CDAO sigiro de ka ko frontiere u kana datu anga jamana oni nyokonche a sigiro de ka le o de ala da floy o de asiki ku floy ni ka ton sigi ko frontiere kana datu ku jamana chika ni ka frontiere datu ku ini jamana woreche ene ala che ni ton sigo ka ebse o tonkele ko ni be nyangi ni ko la ki ba sebe o kono kibie frontiere datu ku jamana yi ni koko jamana ka frontiere ka labla ni mankan wulila ito frontiere datuku tukune piska ou sigira frontiere labla li deka ou sigira deka fo frontiere nun kana datuku chukwa shila ko jamana de un kana seke chukwa shila jamana ka politiki kela ukono uka seka tama usagola uka seka nyini nika usagola uka sura uka soko nyokona fo ikano bali frontiere kano bali CDAO a sigikunyo de Ode a franche ani CEAO che. Donc, benka munkera bo makoya, a fora de ko CDAO, jamana ukuka frontieru, a kanadatu uninyokonche, a kadayele uninyokonche, uka damande unga tama kanabali, frontieru kako sebabuye, uka jamanade unga soro kanabali, frontieru kwa sebabuye. A sikikunyo ode, a ladayo ode, a kunklena ode. Abiko misisa, niko kie islame, a glote mi jenea teke ibe sharia ukala sida ufuna sharia ini mi eske ibise kafo koni ni sharia ini ibise kafo slamea sharia ini ekibita glome ikata misiri la eske sida ubise kafo ansiki kunye de frontiere u kana datu mena ni munkele la me frontiere datu donc uire ka sharia kono uye nyangi ni mununka la frontiere datu tala kumata la amasebe akono ata yoroshi. Uye sharia dota, Dakar, décembre kalo, okile mwa nikele, samba flani sankele. Uye nyangi ni unke ode kono, o sharia kolo binani ni duruna, sanction sabade ba kono. Ko, ni uka sharia soso, ni ka jamana de umba fe ka postu do nyini ko onu la, iko dnye tomba ula. Ko sede o jamana to uti ka jamana deme ko di ka jamana de umba, uyo de kala. Uya kala fana kafo kafo fana nubi nyangi ubu ban ukaton sigite kayi reka jamana latu utika candidat supporté ulute nu ukaton sigike kayi jamana la e awa ika jamana dembu ukaton bulo fara fen fen kono ubu la boye ubuka barajo ninde ye nyangi ninye ure munta ne mata de ninde buka saria kono frontiere ko kumata la ama delika do ala ama seba kono otuma o uluyo o saria nyangi ni uya nyangi ni frontiere ko yi uyo tami abora mi abe mi adabu emu anga jamana kaga nka boni ni kuma udi ka ninde sebe ka ci nye fantan nani kono ni kele mu ma fe ya ni mun ta ranka ma mata sariya kono amata sidiya o sariya kono donc il reste ko keba kono ate balane la ne o de foto o kana o jamana tiki munu nulu beti sigi ka sidiya o kuba sariya fo ube mun ke wire ka jamana kono wire ka jamana kono te sariya batu wire ka jamana kono usago de beke wire ka jamana kono ka sirate jamana sariya kumala ni mun ka duye domi o de beke ni mun ko ibi kanka uno che ube tati otma mo mun tu wire ka jamana sariya bato ulu de beta sigi sida o kele ngono yi u de gele nte sariya bato la donc bu wire sa ko ke mali nyangini akera yere sa ko ke piske atuka sariya kono atakono atakono bi atakono si na ba kono ka boka yirana ni atakono ibje ki miri ba fo bon peut-être cdao ere mata
CDAO yi kanto de a jamana munu mbea ni aun tise kata au kelengele na na utara uka suwaya uka frontieru datuka ni maliche paske saria dobe iba blai kuna jamana beba ere sagola beba ka ere mahoronya kuna ukuno na nanimu kadie ibake donc avise kafuye alina umata amba nyina ufe na utara uka frontieru datuka CDAO bise kofo jamana nguwe meni CDAO ufo CDAO ya ere tiki kun saria tnye Nous y kafo frontière ou Canada tout ou tout au Chili. Ulu ere mason ko sanction sebe ou ka protocole kono muna. Umamu sebe ou ka protocole kono muna ba fo jamana ou yeku katoke. Ni jamana ou fransona iko munu yuka frontière da tout Mali la bi. O de la ne kongangata tribunal la. Ulu e frontière da tout li munke abe ka toro munda Mali onka. Ulu de joto la ou. Angata nini saria beba fo konye ma toro iketa kono ko kaka toro ko sarada ma kibise ko ke malikata CDAO kurla reparation du préjudice ou kan toro li mukera CDAO ka afra nga gouvernement nye parce que jamana ou de yaun soso jamana to de CDAO soso mali ma CDAO soso ali sini mali ma saria soso ali sini munu ka frontière datou ou kelengele na bado kote CDAO saria kono ou kelengele na bado kuni mali che benkamu manche jamana ni jamana otakono donc nous ka frontière datou ou nous de saria soso ni saria soso ka mokotoro al nitara tribunal la be fok i toro la be joli nyini an fona be ta do nyini ke an be ta nyini an ba nyini CDAO bulu an ba nyini UMO bulu o mu sente CDAO la no fona nani se no an kelele war kola ni CDAO kondanera Amba kona nation ta ka nyeshu ma amba fa de yauda do ala de BCAO au de yauda do ala de BCAO ai war ko ina jere war ko ina ko be au yauda do ala ay am toro ay anga war sa anga dossier la be mani ni ma fe mu nyini ni ma tu mu go chita ko no fendo anga ta ni tu go chi bien kan ku ma kan me u ba do ko mali on fana te ku fe mo ye u ba do ko mali fana a hakli ba yere la a jamba yere la nani jera ateni na ayre ko Maintenant, tu as dit que tu as dit que tu as tel, vive tel. Maintenant, tu as dit que tu as dit que tu Fanga boka keleke de. Ni kelemu, na sira ni make. Abitoro de. Anga kelek ma sira, anga ke. Abe diana, te diana, oyala ka kodoye. Na anga kele inke, parce que atise ka ke balie. Fanga nunu bede, atake ni dossier ouye. Ka dossier ou la do, tribunal la ka la do, cour de la sida ou la. Ka ira ka fo. Munu jamana munu ka frontière datugu usi manga ka ke atanga CDAO saria kuno ate anu lufuna che saria kuno ko ogele nana anu ka jamana flache kube frontière datugu anye donc ulu de saria soso onte ayo fo halisini halisini jamana to de saria soso CDAO kuno mali maso Mali bise ka yoro do soso a fora ko coup d'état kana ke ni coup d'état kera obe na ma foka sanction ni ere ni ta sanction ni te ni te donc ante ma de melani ni kuma wi de ambanga jamana de deme kairanga jamana amma yere do amblo ban yere kro a hakli ban yere la antan yere la bla ma ka seria bolichugo jugu kono kante kuma Fanga kumadi. Fanga irani jamana tola. Kafo. Anfana y jamana mouye. An hakli ban yere. Donc ni yo ko la je. Abe fendo ko fo. Abe fendo ko fo. Ni ya ko la je. Iba ye. Kafo jamana ou mine chukote kele nye ni ko yin kono be. Abe fo. CDAO seria kono. Ko machi tise ki toika fanga kono ki ka fanga seria ba yelema e ka manda bane pour ke ka se ka manda croise ko kana ke jamana do ya ke munan tu to fo Côte d'Ivoire ya ke Togo de la ka ke la Guinée ya ke o mo ma wele si de ou la li kle kle ka fo seria se ben infle au ya soso seria mu se ben no sosora okuma mafomu ma sebe onana boli anka donc
abe foko munga green sariya te so ma de amakanga jamana okono nai donc jamana munu nyana kuka green side ya okono lubu shako ke fente kula notene ni fo ame ibeka kelet mami engo munu mbe manda sabana nyini uluda manga kado malikula nyafo de nyafo alpha konde be fangala nyafo ala tan be fanga nyini na nyafo walibi ode be faria nkono afoli manduye amanu uluka jamana de undouye kambe se ukafa mauma amma se ukafa mauma ansera keta udima munkera ambo de fo ambo de nyesi sariala ambe kuma ka kuma nyesi sariade la ankante mroma mais ni munkera ambe kuma nyesi la ni ede ake ibi ire akono ni make fana c'est pareil. Oh. Donc, en bas fait, quand il faut que nous avons fait la bifinité, baraté de l'andala, c'est au cordon, en bas comme un lacon. Ou en terre, madame la canfora, en moulou, elle est sebe candi la ou quand un jabi sebe la noue ni mouke ni sebe ou ni sebe terre. Considé au caboca comme un. Kuka administrateur François Brou akaboka kuma le président Nana Akufo-Addo akaboka kuma ke ni malien galone tika akafo jabu bambulu sebeni mbi angafo ama foike ka ye ka bianka ambo de kono sideo seriaso abe sideo seria be kono nye teksi mfosan uye seria munta Dakar le 21 décembre 2001, ko ni fin ou fin kera CDAO ni jamana ou tche, ni fin ou fin boula jamana doka nama beima, ki beta ou bien ni fin ou fin boula CDAO jamana dien doka nama beima ika jamana konu, ki bise kata CDAO saria sola ou bek nyefo. Wanouye kritike kamuka, jamana manga ka ban CDAO konu kuka kritike kambato, o deba konu. Et, Côte d'Ivoire élection là-bas. Ou koko Guillaume Soro te ke candidat. Guillaume Soro atara CDAO Sariaso la Abuja. Ako nga jamana ba fe ki ban konte ke candidat. Andunga Sariaso la tant que kaso dalin tenka. Tant que man nomine katambla nte kaso la flo. Foi mané kiri ka fone no benina. Ningo même présenter ou manga ka ban dumba ne fle konte ke candidat. CDAO Sariaso est critique. Ou quoi Côte d'Ivoire idiota là, en bébène à la quoi que n'a qu'un gars jamana au cono, autrement Guillaume Blaka ka candidature de Wadibi de droit baboula qui était candidat. Au Kuma Djabi Muntarafo, Côte d'Ivoirier, Côte d'Ivoire ko, en tebi, en tessini, ni CDAO yo de fois autrement, en retaka Saria bateau tout. Oh, m'homme nous ko CDAO ma, antika Kirikan bateau, antika Saria bateau. Ulu beta wele kasiki kukana mali jangi. Okuma kachade. Abiko minye zon wele. Kakata fentiki kiri. Ah. Okiri be jade. Piske abe duma jentire yine. Abafo yika da soko kle la. Ne mena katoro. Mase ki kada ele. Ifuna ka nde duma jen. Pase yon li gela rako di. E mumbi yere ka saria soso. Ebe baka saria batu. Ebe kla kwa saria klenta. Eba naka mumbatu. Ko konofen rota kato shimo warela ko eni soso eka nyangi ah ni la gine ku nyangi na tumala ni Côte d'Ivoire tu nyangi na tumala nu tu emu fo bi ne tumbise ko la medoni me la gine ni Côte d'Ivoire ulumu kona mali nye tede o saria soso lila uluma nyangi de awati la piske la gine emu numbe sisa o kote Alpha Condé kledu uluma nyangi o wati la. Oja manakele unibeta la siki kuka mali nyangi kwa nye CDAO saria suso. E utma saria to ote saria e CDAO la wana. Donk kuma bedi. Ngo odela. Kuma gansa inte. Nebe ni mufola. Ninda na ningai nkoroya. Neka karche konoya. Ate magonya kuna. Sisa ambafe anga government ka ulisa akabarake. Anga donkabe barala. Akabarake ni tabulo ni temesira dowye. Ka papye ukala ka dokumente. Kati djwa kene ukaka keleke. Kelete dan plat de l'indépendance la aba la France. Keleke atake Abuja tribunal la. Keleke na dan plat de l'indépendance ma.
Quelle est kata dit médiateur africain ou moi? Quelle est Canada Nishila Anganga position ben documentée? Parce que au niveau, il fera si vous, ben quoi, Union européenne, tant pour la CDAO quoi. Mais au lieu de donner CDAO à Kassaré à violer, ni mon maboc à fouiller, ou ben tout à quoi que vous passez à Balawa, ou Luka Jamana au Théo. Mais nous, Luka Jamana au Doni Teke. CDAO Munka à Teke ou Luka Jamana au Kono. Ou Funabeto Mununa, on nous rentre à Kono. Donc, en te bon anga position, anga joro, anga sebe una be, katana ye, akuma ou foyro la, a bara ou keyro la, a kele ou keyro la, anye kele mke nyokon feya, le 14, a diaranye, a e jamana ka kele nyaira. Me kele ma bande, kele te kuma dronye de, fanga wuli ka barake, ni donya ye, ni temesira nyini niye, ni kele ke chugo ni, kele donye, fanga ke. Mali mago bo di la. Donc, ne doit qu'être kumala. Ne doit qu'être kumala. Mengo, Franci, Nkumba fait CDAO Jamana. Tony, ou Kafo Francier, en y est Mali de Kelebani Mali tchè, mais en y est Doukile Mouaye, en y est Africain ou de. En y est mon fond, en y est Et quand on y a des gens qui ont été sanctionnés, qui ont sanctionné, 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 Kabokumala, ngo niye fon fen fon, fika temesira do fon, mado niye federalismu ni fon bomenan kan. Donc federalismu, ngo Franci, ambe akorde defansi ou loubo kele de la an non fe, ou te sede ou ka kele la, ou be Franci de ou ka kele kan de kan an fanga doya, me ou bou ireka kele de la ka nyeshi an na. A kele damine flon, Franci fe, ou bien ayant tout mami, accordé défense itantiao. Lettre gansan de Chiruma, a wati la ko aena, ani nyongon tche ben nyongon yakono, na oubise kana mali deme binkera malika. Ame mou yina ou fe, a ouka avion ou mise ka an deme kele la san fe tchoumi. Ani kiberea mounou, na ouka keleke minan ba ou permet ko osro. Na ubise ko di anga sorasuma anyereka sorasu kelenga keleke duguma information nyuma mbubulu Franci wele la nini kandi ama wele kaka sorasu bla kanade me anga sorasu de meni information nye ika avion ka anga jamana sanfe la protege me o letri chiru madro ipanka bokono ye sorasu chekana. Sorasu chelen ko fede ou ko bo anga accordé défense ke anga ben fe nan ni ngon che sa anga ben wala puisque anga mo na na accordé défense atlana mais maouma ni accord ni kala ni yakala ibadon ko accordé de meni maratugo mina sorasi akono meno de nyafie nebe na munke ga jamana la me itise ki bama o de ba kor ni kono a o de ba kono ni siki ki ba fete fete ibo drone ya kono kuma ukacha sije ukacha ni ko iba wala wala ibe do hali mani politique intérieur be tuko do la bi ba nyefo me ministre mu no be ni bela o de Jean Yves Le Drian Franci ministre des affaires étrangères neko akambunya akanga jamana ko ako ko fanga mu mamulo ya ko jamana ta kuna fanga te we marfa de ta ki choko jamana kuna ko janga jama fanga ta kuna fanga te ko se illégitime ayo fo ni ofo e ka koloshili bi se ki permet ko fo ambe domina ambe se ka fo France ministre Kelemani kuma fo ayi Ali M5 là, à Forao, Ali Mouramou y a Forao, et Premier ministre est à Forao. On m'a inventé des éléments.
mais au bébé ben on irait demain on y nous on tient là ni au fond avec la cabé premier ministre ni ou ma ben c'est normal d'où qu'on en manque mais avec la cabé ni au fond mais car d'accord vous êtes irresponsable irresponsable bamanangana à croire moi irait dans Bali ah oui irait dans Bali au tenez-ni irresponsable. Il tire don. Il tire quête à don. Il tire faute à don. Et il est don validé. Jean-Yves Le Drian a eu forme Malima ONU là. A eu forme Malima Union Européenne couloir qu'on a eu réunion bané à Ijoka fort. A eu forme Malima Franci. A ka ministre y a fort. Florence Parly. Comme Malia ou il est don bali. Oje nyogonya kuma jumanye. Do ba fo. Ko Francie ambassadeur ka gena. Kweska antun kakan ka se wa. Ante nyogonye ninga. Eske jamana flaka je nyogonya kono. Nye jamana uka je nyogonya kobe fo saria mkono abe fo ma traité de Vienne. Eske nimba kono ko jamana kakan ki joka ni fo jamana mawa. Ko awye yere don bali uye. Ata u yere don, ata u keta don, ata u fota don. Francie o de fo malima. Kakuma fo bomlankana mado bala sa o machugo mile me o debakon e jamana ni jamana che ite delika ni kuma me yoroshi ni ne nyinga ko ni mise ka bo français wi reda ne ba fo non u bu ire bonya ni ma parce que o mama li drondo ya o u ire do ya o kuma fo tuko ko anya me anga gouvernement da ko ulu la dishi jama je crois que anga ambassadeur toubara kabri beka klela tumani jime jalo e kuma do fo o ma bent wabu ma amadore fo de kuka surasu kube anga baru kuno nanga pokotiki nu benyo fo red lo mina ayo de fo francisco ko o e franci doyali e tumani jime tse ka to luka jamanaka ibeka weleka bwanga jamanaka ibeka ya weleka kabri tumani jime jalo nana ambassadeur Massigou, chargé d'affaires de lui, je crois bien. Oh, quoi, Aouka Sorazu, ou Banga Barou de Kono Obe de Lomina, ou Bekanga Demsion Tien, ou Mabe Franci Manga, Franci Koko Mali Redon Bali, Franci Koko Bisekafo. Donc, Nanga ambassadeur Teka, ou elle est tout, ou est deuxième niveau de sanctions de diplomatiquement, tout Bisekake, Algérie ou de Ké, parce qu'à l'ambassadeur tout Franci. On t'a dit tout. Autrement, c'est qu'il y a eu un peu. Donc, un troisième niveau est il faut que la cité soit en train de se faire. Il faut que la cité soit en train de se faire. Le gouvernement de Ké, ne faut que la cité soit en train de se faire. Il faut que la cité soit en train de se faire. Il faut que la cité soit en train de se faire. Donc, la France, mais la France, il y a eu un peu de 600. Uluma shi antona bamanankana unyana ubise kudasa ko fwama unyana ubise kakuma be fwama ko setanye dabaritanye ulu irebulu ube demeni mundama nu otike sini maliteke jamana ya beke kaburudo de andumbe ama safro antike kaburudo e fransi tise kata donc o akorne defansi o jorobula muna fana ne bessega kuma kan bessega kan bi altani mobe mumina fone batile ko ngalondo mbasati kitabo kamali keleke minan ka tie ka waraka keleke minan muntumba mbulo ka tie ka waraka akera 92 anga demokrasi nale uyanga fembe désarmé kata do chikulukuru artisan munu ni sorasi français ou nana kuka atelier ou kamina unduma ou kase ka piesu glan ou borane fe yandon ate kile sababu an ne ya glan ou yanga misil ou désarmé anyere ou deme kou siga kono ou tarachi me an kouta korodone tuabu ya ke kalo saba ou ye mali arsenal bechi ou ya do keleke minan tambolo ou de ake ou ye do la pe ko rebellion ka kankan puisque ou de achi Rissou ka keleke minango. Ulu le mali pousse akaka avion ferré. Meni kuma ou ni afobi,
dobe boy be ni kari contrôle be ni kari contrôle ni ka sirate kari la menga sira be mali la ni muye mali la bla kata ka di flore kakana ne bo fo ali sini anga mina on fere la amro munu be ukaboke munu ye fanga ke 92 gubea ukabo ko batili ya fo ay wele tribunal mais munde kera pierre tse ka fo mali la moko ko kama musala kama. Donc, pour vous, il y a donc les caminantes en boulot. Au dire que vous n'avez pas de jamana titan kadama. Ou pas de vous n'avez pas de la gans enterre. Kouanga jamana ka farafara ka jamana miseni chamandla. Ou luka yerema horonya ka douma chou dola. Halna be foko jamana bakelendo. Mais yoro bela ou lui rebouka décision ta ou le gouvernement central tata. Ou pas foma fédéralisme. A te clé sa babo ou ka débité do yo fo. Koko de ke mali la mene koufou mali ka chichi ka ke jamana miseni chamandi. A quel clé ça va bon? Ou pas de belle assemblée là? Anne Congo Francie, Otmao. Où se nous rendons quand il y a un record? 1789, ou pas pour Wati Moumanakou, ou indépendance, 14 juillet, indépendance cité où? Ou est-ce qu'il y a un jugu de chi, ou pas pour moi la Bastille? Ou est-ce qu'il y a un jugu de chi parce que c'est rien qu'on te dit, mais qu'il y a un jugu de chi, ou pas pour moi la Bastille? Ou pour au cas fanga djougou ka mara de kono ou yereka fanga djougou au de kera 14 juillet 1789. Ok, le fin fait, mounou nyoke, ou louko, ko Francis tise ka klaka ke jamana miseni tchamanye, ou do, bordo ka ou de toume nye fe, ou yisira ka Francis djougou ba to ou farou yereka, ko fo djougou beka ka indépendance ta ka bo parika mara kono. Ou kuma fora mounou fe, ou l'ouïebro contre le code d'Anton. Mounoukoko, Francité Kla, a teke de mon ami Seigneur, ou l'ouïebro contre le code Robespierre. Robespierre, ou mené katou be kantre Paris, mairie d'Ala, mairie mbebi, ou faraïli. Gabriel Odo, foka bi, se bima, a te kouila y kafo Franci, ki be fraka bo gouvernement na kati dama gouvernement siki. Korsou ya la je, 1970, ou l'ouïebro, se mionou, ou be mnena koubla kasola, pour atteindre la sûreté de l'État pour Jamana Janfa. Ou lui au cas où qu'est Franci, ou Reka Jamana là. Ko frali kumate fo ou louye. Nga ou dabou kunkan ou fo en yer. Djabi be Franci la koui. Aya djabi de atikou mamba fouye. Halante tamaki. Donc, Franci bon non fait. Parce que nous en chichi ka on fera nyogona ko be kati nyeshi ire ka yoronina anga dugukulo naflo u be soro ka fo anana u deme be bi ka dugukulo naflo la blawiye u be dobo ka de ma una bebeta o de politique bubulo bi parce que ni e fra finance soro bo francica soro kono franci be sekin ko fe to abu jamana were chela aire bo do ambe ka kunu munke ka fo ambambulo do anga jamana okoro ante to ntugu mugo kanga soro uta katana ye o kele me ku joroni ko be nu be jamana nchi de ubati pour que soro en kato luka disposition o de fna si ni mbeke accord d'Alger kan ne bado kidal ka u irena fate me ka te ka kidal bwana u ka fere u ma ku yero na flota u bu ka na flota katana ye franci nu yero yero fra u beti nyeshi o lasa on yaw de me bagade de ima de aw de me aw furala ka bo mali mo djugun nuna ayaw do anga de me abaka du ko na flo la bla o bata kata o de fere bu kono o de tableau bu kono o de politique bu kono franci bo de kono nana te do re kono nana donc a kuma su nya ba manan kana nda sira nunu mo me ni ko fo chugo chugo ana fo ie ni kuma be fo enya na solution ye munya anga munde ke fa neko anga wuli anga barake ni kuma munu fora anga ke dossier anga nyashi CDAO seria sola anga tanjo nyenye fe ni dossier bambulo nani mumbe kuma maliko ka anga ni ndima folo ka famu ya litro an hakli nala nyofo munu fona an fe an dobe ko médiateur médiateur e moyen mamu ni sera mani gelabini gouvernement ireche gelabini service uche seria kula il m'a dit que il s'agosso il est comme quelqu'un de sera qu'on y sera ma calika ouli qui n'est chez jamana là car faut a tiens ben ni mulunga a sera seria ou la amasse car s'agosso atala jaka katia dama a be faut de ma comme médiateur autant clouba be frafina a be faut ma
association ou des médiateurs africains et des ombudsman, ombudsman ou yang le kandi. Obé, Oya Yulu reconnaît Angasia ou Maufona qui dado Malini CDAO Chela. Mouwere da kaye kouma yon koni CDAO jamana nyamoko dronte. Mouwere kou ka keta nou ka fota la je, ka CDAO sere ou ta ka la je. Mouwere ki da chou la, ambe kiri la ou ni Mali de che, ou de jamana kele eme, ou ye moun ke Mali la, ta ou ka sere ou kono, aya dabla. Ango ofona, sira la je, anga tama, anga nasigi. Donc, gouvernement ka anga mediateur wele, ou ka je kou bara la be, ou ka ta ke nyokon fe. Donc, si ça, ne ni haklina damado parompo kuma mandi mo kelenda kabiri dugu jeraw sigilembe journalisti unana nyi ngali de kama nyi ngali dare du mambe bo kuma laya kuma bawulo.